Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert lundi les travaux de la deuxième édition de la Quinzaine internationale de la science et de la technologie. Il souhaite que les matières scientifiques suscitent davantage d'intérêt auprès des élèves du premier et second cycle. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, il a également évoqué l'intérêt que porte la Côte d'Ivoire pour l'évolution et le développement de la science et de la recherche. Nous sommes tous comptables de la vitesse à laquelle notre recherche va. Et comme vous le savez, les présidents des pays africains se sont rencontrés à l'Union africaine, à l'OUA, et avaient décidé de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. 1% du PIB en Côte d'Ivoire, ça fait 150 milliards au taux actuel. Les chercheurs ont besoin de ça. Du 1er au 15 décembre, la Quinzaine internationale de la science et de la technologie rassemblera la communauté scientifique ivoirienne, les partenaires de la coopération allemande, de l'Institut de recherche pour le développement IRD et les étudiants des universités de notre pays.